On se retrouve dans cette vidéo Shein, on va parler maillot de bain, je vous l'avais annoncé vendredi, donc là voilà, on y va, c'est parti. Coucou, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette vidéo Shein, on va parler maillot de bain. Donc j'ai choisi 5 maillots de bain différents et une sortie de bain, de piscine, de plage, comme vous voulez. 5 maillots de bain complètement différents. Donc on va avoir du une pièce, on va avoir du deux pièces, on va avoir du tankini, on va avoir du fleuri, on va avoir du noir. Donc vraiment j'ai essayé de faire en sorte que ça plaise un peu à tout le monde. Donc on va voir ça ensemble. Moi j'ai déjà fait les essayages parce que comme je vous l'ai dit j'ai fait la vidéo Shein de vendredi. Et comme j'étais déjà déshabillée j'ai déjà fait mes essayages. Mais je vais vous passer comme d'habitude les essayages tout simplement. Alors on va commencer par le premier, on y va. Ah oui, et je vous l'ai pas dit mais mon code promo 5Hélène, je vous le remets là et en barre d'infos, est valable également sur les achats que vous allez faire sur le site, également les promos et tous les liens des maillots de bain dont je vais parler aujourd'hui sont en barre d'infos. Voilà. Allez, premier maillot, on y va, c'est parti. Premier maillot, c'est celui-ci. Donc c'est un maillot qui est sur un fond bleu encre, je dirais, avec des fleurs qui sont des fleurs d'hibiscus un petit peu orangées comme ça. Vous avez un petit froufrou au niveau du décolleté. Vous avez des bretelles réglables avec un petit truc en métal, ça c'est cool. Il monte bien à l'arrière, donc ça c'est cool aussi. Il m'a pas l'air trop échancré, et je vous confirme parce que j'ai déjà fait les essayages, il n'est pas trop échancré celui-ci. Au niveau de la taille, je fais un 48, je vous le rappelle, et je fais 117 de tour de poitrine. J'ai pris le 3XL et ça passe nickel. Donc il est vraiment beau celui-ci, franchement la matière et tout. Moi les maillots de bain Shein j'en ai plein et franchement c'est des maillots de bain qui sont de très très bonne qualité, vous pouvez y aller les yeux fermés. Donc celui-ci, vous allez voir les essayages, mais celui-ci je peux vous le dire tout de suite, je le valide. Une pièce à fleurs, bah écoutez on est bien dedans, c'est la bonne taille, je suis bien dedans, j'ai pas resserré les bretelles, on peut le faire mais je trouve qu'il tombe bien, vous avez des coques que vous pouvez enlever, il est pas trop échancré à l'avant, on est bien, à l'arrière pareil, il est bien au niveau du cucu, voilà, je vais remonter un peu mais il est bien au niveau du cucu, on est bien dedans, la silhouette est jolie, écoutez je m'aime dans ce maillot, donc voilà vous avez le petit froufrou là, c'est très décolleté, certaines n'aiment pas, mais moi pour les maillots de bain ça ne me dérange pas, voilà il est joli celui-ci. Franchement celui-ci je le valide. Deuxième je maillot de bain, cette fois-ci c'est un deux pièces. Donc vous allez avoir le haut qui se présente comme ceci. Donc c'est un haut sur fond noir. Vous avez les coques, mais moi je vais les enlever les coques parce que j'aime pas. Vous avez du feuillu comme ceci. Vous avez des petites fleurs d'hibiscus. Un petit peu comme sur le premier maillot d'ailleurs, c'est les mêmes petites fleurs d'hibiscus. Et vous avez une petite... un petit élastique ici qui est noir avec une petite résille, donc il laisse entrevoir la peau. Donc voilà pour le haut, et le haut derrière c'est un bandeau, donc c'est pratique ça je trouve. Et pour le bas de la culotte, c'est une culotte haute comme ceci avec le même élastique que vous retrouvez sur le bas du haut du maillot de bain. C'est compliqué à dire, mais c'est ça. Celle-ci monte bien haut, elle est pas trop échancrée non plus, elle est plutôt sympa. Et voilà, franchement celle-ci pareil. Celui-ci je l'ai pris en taille 3XL et il va nickel aussi. Donc je suis contente. Le maillot de pièce à fleurs, bah écoutez je valide également, je suis très très bien dedans, au niveau taille il est parfait, il est pas trop échancré, il est bien, on voit un petit peu du ventre mais pas trop, voilà au niveau silhouette j'aime bien. Donc voilà, celui-ci je suis bien dedans, je me vois très bien à l'île de Ré dans ce maillot. J'ai pas enlevé les coques, donc faites pas attention, là ça rebique un peu et les coques sont pas au bon endroit. Mais vous voyez au niveau tombé là, il est très joli. Comme je vous dis, on voit un petit peu le ventre, moi ça me dérange pas. Il englobe bien, on est bien dedans. Voilà, celui-ci je valide, je l'aime bien. Troisième maillot, mon choix s'est porté vers celui-ci qui est très sympa parce qu'il a une petite, un petit bord, vous voyez, un petit peu ajouré comme ça en résille au niveau du ventre. Et je trouve ça assez joli parce que ça donne un petit côté plus sympa qu'un maillot de bain noir, complètement noir. Vous avez des petites bretelles réglables avec un truc en métal également. Il est assez joli celui-ci, il est pas trop échancré également. Par contre vous allez voir sur les essayages, celui-ci est très 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 décolleté, trop décolleté même, et je trouve que au niveau du buste en fait il est taillé pour les bustes courts, parce que sincèrement celui-ci il est hyper et je peux pas remonter les bretelles pour remonter le décolleté, vous allez voir, mais celui-ci est pas pour moi, donc celui-ci je vais pas le garder. Bande transparente, alors celui-ci je suis moins fan, il est hyper vraiment décolleté, voilà c'est vraiment très 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 décolleté. En fait il est vachement court au niveau du buste, vous voyez il aurait fallu qu'il remonte un peu, mais si je le remonte plus, ben c'est trop remonté de là, voilà c'est dommage parce qu'il a, fait une jolie silhouette, vous voyez il est bas aussi à l'arrière. Je pense que c'est pour un buste encore plus court que le mien, pourtant j'ai déjà un buste assez court, et sinon il est joli hein, mais celui-ci il est pas fait pour moi du tout.
Donc celui-ci, autre non. Maillot cette fois-ci, on part sur un tankini comme ceci avec tout le bas en voile. Tout le bas en voile comme ça. Donc il y a des coques également, mais moi je vais pas les garder. Vous avez un petit nœud ici qui ne sert à rien. Vous pouvez l'enlever, vous pouvez le laisser comme vous voulez. Vous avez des bretelles réglables avec un truc en métal. Et vous voyez, c'est le haut au niveau de la poitrine est opaque. Et le bas est tout en voile. C'est vraiment très 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 joli. Si vous n'osez pas encore le deux pièces, je pense que celui-ci peut vous faire passer aux deux pièces. Derrière, c'est un bandeau, hein. Il n'y a pas de fermeture ni quoi que ce soit. Donc ça, c'est cool. Les bretelles sur celui-ci, vous pouvez les enlever. Donc ça, c'est bien aussi si vous avez envie de bronzer sans avoir les traces de bretelles, c'est sympa. Et celui-ci au niveau de la culotte, c'est une culotte qui est pas très très haute, elle arrive vraiment au niveau de la ceinture. Moi je préfère les culottes un peu plus hautes, mais avec le tankini et le voile je trouve que ça passe. Elle est pas trop échancrée également, c'est vraiment la culotte noire simple quoi. Voilà, celui-ci je l'ai pris en 2 XL. Je vous avouerai que j'aurais pu le prendre en 3 XL pour le haut, mais j'ai peur que la culotte soit un peu grande si je le prends en 3 XL. Donc celui-ci je vais le garder comme ça, je l'aime beaucoup, mais vous allez voir dans les essayages, j'aurais pu le prendre une taille au-dessus, je pense. Le tankini voile comme ça, il est hyper joli. Si vous aimez porter à une pièce mais que vous avez envie de passer aux deux pièces, je pense que celui-ci pourrait vous plaire. Donc celui-ci, j'aurais peut-être pu le prendre une taille au-dessus, mais ça passe. Alors faites pas attention à ce niveau-là, ça fait pas joli, c'est parce que j'ai laissé les coques et que les coques sont complètement mal mises. Le décolleté est assez joli et vous pouvez enlever les bretelles et je pense qu'il tient parce qu'il tient vraiment bien. Vous avez un petit nœud là, vous avez le petit voile qui cache un petit peu le bidou, vous avez la culotte qui est pas trop échancrée, elle est bien, elle monte pas très très haut. Vous voyez, elle monte pas très très haut, mais clairement avec le petit voile au-dessus, ça fait son effet. J'aime beaucoup, je vous montre l'arrière comment il donne. J'aime beaucoup, franchement celui-ci je le valide et celui-ci je vais l'emmener, pas de soucis. Il est vraiment beau, je suis bien dedans, je l'aime bien. Donc celui-ci, je le valide. Le deuxième maillot c'est celui-ci, j'ai totalement craqué dessus quand je l'ai vu sur le site. Donc c'est un maillot qui a un effet un petit peu cache-cœur comme ça, avec un sein vert et un sein à fleurs. Vous avez des petits froufrous comme ça qui reprennent le vert et le fleuri, très 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 joli, comme ceci au niveau du bas, sympa, pas trop échancré. À l'arrière, ils montent bien haut, moi j'aime bien les maillots de bain qui montent bien haut à l'arrière. Vous voyez celui-ci, c'est peut-être le plus englobant de celui que j'ai, de tous ceux que j'ai pris. J'ai vraiment essayé de prendre pour tout le monde, pour que vous y retrouviez toutes. Celui-ci est vraiment joli, je crois qu'il existe en plusieurs coloris aussi celui-ci. Il est vraiment bien, vraiment il tombe bien celui-ci, franchement je l'aime bien. C'est peut-être celui avec le deux pièces, avec la bande noire un petit peu transparente que je préfère. Donc voilà, celui-ci très sympa également. Une pièce fleurie, bah écoutez, il est très joli. J'aime beaucoup. Au niveau du tombé, on est bien. Au niveau de la taille, on est bien. Il englobe bien la silhouette, il monte bien haut. Il monte bien haut aussi au niveau du décolleté pour celles qui n'aiment pas faire voir leur décolleté. Les petits froufrous, c'est assez joli. J'aime bien le vert, j'aime bien l'imprimé. On est bien dedans. Celui-ci, franchement, ça c'est certain, c'est un maillot de bain que je vais porter cet été. Parce qu'il englobe bien, on est à l'aise. Et puis, il n'y a pas de danger de se dire j'ai un sein qui va passer par-dessus ni quoi que ce soit. Donc, celui-ci, je le valide. Et pour finir cette vidéo, j'ai pris un surmaillot sorti de plage, sorti de piscine, comme vous voulez. C'est un kimono qui est vraiment très joli. C'est une dentelle noire qui est élastique. Donc ça, c'est vraiment cool parce que vous êtes à l'aise dedans. La dentelle est vraiment très jolie avec ses grosses fleurs comme ceci. Vous avez un petit lien à nouer à l'avant, mais vous pouvez ne pas le mettre si vous voulez. Vous pouvez le froncer ou pas si vous voulez. Il est vraiment bien. Il tombe mi-mollet. Il est plutôt sympa. Franchement, celui-ci, c'est un gros coup de cœur. Il est vraiment très, très, très beau. Et sur un maillot de bain, je trouve que ça fait hyper joli. Je vais vous le montrer juste après. Mais franchement, je valide. Pareo, bah écoutez, le pareo kimono là, je le trouve sublime. Il est vraiment vraiment beau, on est bien dedans. Vous voyez, pour mon 48 c'est la bonne taille. J'aurais pu le prendre une taille au dessus pour qu'il se ferme un petit peu plus à l'avant, mais moi j'aime bien pouvoir passer mes gambettes. Je le ferme là, mais vous pouvez le laisser ouvert si vous en avez envie, hein. C'est très joli également. Il a un joli tombé, il est vraiment beau, il est agréable à porter. La matière est assez jolie, vous avez des petites fleurs comme ça, c'est assez extensible, donc ça c'est cool. Franchement celui-ci il est vraiment beau. Porter sur n'importe quel maillot coloré ou noir, ou blanc, ou vert, ou rouge, ou violet, ou je sais pas quoi, ça passera nickel. Donc ça, ouais, ça je valide largement. Et vous voyez, je peux largement le fermer et c'est joli. Et même ce kimono-là, porté sur un jean avec un petit top blanc et tout, ça peut être sympa. Donc vous pouvez aussi le porter à la ville, mais en surmaillot, je trouve ça joli.
Donc voilà, vous avez tout vu, les essayages maillot de bain et tout, gros coup de cœur pour moi, pour le Pareo. Le dernier maillot de bain que je vous ai montré, le vert avec les ramages un peu roses, j'aime beaucoup parce qu'il est vraiment englobant, il est vraiment bien. Le deux pièces fleuri avec la bande noire transparente, j'aime beaucoup aussi. Le premier une pièce, j'aime beaucoup aussi, fleuri sur fond encre. Le deux pièces, le tankini noir, j'aime beaucoup également parce que je trouve que ça cache le bidou et que c'est assez joli. Par contre, le une pièce noir, bah, j'ai pas choisi le bon parce qu'il est beaucoup trop échancré, beaucoup trop décolleté pour moi, vous l'avez vu. Donc voilà un petit peu pour tout ça. Je vous remets mon code promo ici, n'hésitez pas à cliquer sur les liens qu'il y a en barre d'infos, ça m'aide pour savoir à Chine que vous êtes actifs sur mes vidéos, donc n'hésitez pas à le faire. En attendant, moi je vous fais plein de bisous, osez porter le maillot de bain les filles, osez porter le maillot de bain, vous êtes encore trop à me dire. Moi quand je vais à la plage, je porte pas de maillot de bain parce que je me trouve pas jolie en maillot de bain. Je vous prie de croire, les gens en ont rien à foutre de vous sur la plage en maillot de bain. Arrêtez de penser que les gens vous regardent, c'est pas vrai. Et même s'ils vous regardent, eh ben écoutez, hein, ils vont pas se brûler la rétine pour autant. Osez mettre un maillot de bain, osez vous sentir jolie et ce sera le principal. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se dit à bientôt dans d'autres vidéos.